au bord du lac du Bourget, à quelques kilomètres de Brison et en direction de Culoz. Voilà, je connais pas l'itinéraire, mais je pense que je vais démarrer là-bas, derrière le château, un peu plus loin à Culoz, et que je vais monter le long des crêtes. Le sommet doit être par là-bas. Vue de Rufieux, on voit mieux la traversée. Apparemment, le GR passe le long de cette épaule là, puis débouche du côté de la crête là, et suit tout le long, plus ou moins la crête. Ça risque d'être long quand même, on verra bien. Voilà le départ de la randonnée. Ça s'appelle le pont de la source. Et on va monter vers Romagneux, le Fenestré et puis le Grand Colombier. Ils disent 4 heures. La montée par le GR est très agréable, sur un large sentier, facile. La plus grande partie de la montée vers la crête s'effectue versant Culoz, plein sud, il fait très chaud, jusqu'à ce qu'on arrive sur le versant nord-est, côté Seyssel, où là on arrive dans des sapinières beaucoup plus fraîches. On arrive au Fenestré, à 1200 mètres, là on est presque au sommet. Ensuite ça va vers la Croix du Colombier, alors bon, il n'y a plus que 300 mètres de dénivelé, c'est pas énorme, mais c'est long. Il y a là un très joli point de vue, ça vaut le coup de s'arrêter. En bas c'est Culoz. Avec le Rhône. Et en face, évidemment, le lac du Bourget. Le temps n'est pas très clair aujourd'hui, mais on aperçoit quand même le Mont Blanc tout au fond. Et voilà, le point de vue est vraiment magnifique. On aperçoit aussi Romagneux, là où on est passé. Et tout en bas là-bas, on aperçoit l'endroit où ma voiture est garée. Un peu au-dessus de Culoz. À partir du Fenestré, le GR emprunte beaucoup de chemins forestiers. Passe à proximité de quelques chalets. C'est très agréable. On arrive dans les alpages du Colombier. C'est très très joli ici. Très moyenne montagne. Et là-bas au fond, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est la soucoupe volante qu'on voit sur Google Earth. J'allais voir de plus près. Ça doit être marrant.
Il y a plein de crocus partout. C'est super joli. Près des chalets d'alpage, c'est un tapis de jonquilles. C'est magnifique, c'est tout jaune. Dans un environnement exceptionnel. Après les chalets, j'ai coupé à travers bois, histoire d'aller voir l'ovni d'un peu plus près. J'adore ce genre de truc. C'est un super, un sacré monument. Et bien en fait, par les crêtes, on peut approcher de très près. Bon, après, on n'a plus le droit d'entrer. Hein. Et voilà le sommet. Bon, j'ai mis pas mal de temps parce que j'ai quand même suivi toutes les crêtes au plus près. Il y a des endroits, c'est un peu scabreux, mais ça passe. Ce pylône est vraiment horrible. Le paysage est sûrement très beau, mais là aujourd'hui, on voit pas grand chose. Voilà, là-bas au fond, on aperçoit la croix du Colombier. Ce que je vais faire, je vais essayer de rejoindre la route là au col qui est tout près. Et après, peut-être faire du stop. Il est 18h30. Et du coup, je suis allé à la croix. J'ai rencontré des gens qui vont me descendre en voiture. Alors voilà. Il y a une sympathique vieille table d'orientation. Le paysage est moyen aujourd'hui, on voit rien. En dessous, il y a un énorme chalet. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, un petit circulaire, vite fait. En bas, il y a le Rhône. En haut, il y a des avions. Au fond, le Mont Blanc. On voit pas grand-chose, hein. Voilà, par contre c'est une superbe randonnée. Au fond là-bas, on voit l'horrible pylône et puis le sommet. Elle est plutôt moche aussi cette croix quand même. Et vu d'ici, le champignon de la table d'orientation, c'est guère mieux. Et voici le col du Grand Colombier. C'est là que les cyclistes arrivent après avoir souffert dans des pentes à 19%. C'est monumental. Me voilà de retour au pont de la source. Ça fait du bruit, mais c'est joli. Il m'aura quand même fallu 4 heures pour monter jusqu'en haut.
Faut se méfier, c'est très long et c'est assez difficile, il y a 1000 mètres de dénivelé. Heureusement que des braves gens m'ont redescendu jusqu'à la voiture. Il est passé 19h là déjà. Petit arrêt quasi nocturne au bord du lac du Bourget. C'est superbe le soir comme ça. C'est agréable. On voit super bien ma randonnée d'aujourd'hui là-bas au fond. La montée vers les crêtes et leur traversée. Heureusement que les jours rallongent et qu'il y a des gens très sympathiques qui m'ont redescendu.